Bonjour les abonnés, sauf toi, tu dégages. Alors je vous avertis direct, c'est une vidéo à prendre avec humour et second degré. Et si tu n'as pas de second degré, ben va voir les vidéos de David Lafarge Pokémon et viens pas sur celle-là. Ben alors David, c'est quoi cette tenue? C'est une vidéo pour YouTube ou pour You? Je ne sais pas si c'est des pics ou des petits trolls, je n'arrive pas vraiment à déterminer. Aujourd'hui on va assister à un combat entre Harry Potter et Trevor de GTA V, un combat sanglant, un combat à mort dirigé par vous-même. Plus sérieusement, les combattants ne sont autres qu'Amixem, le mec qui pendant longtemps se faisait passer pour un Renoir du nom de Max Mado sur les jeux vidéo, notamment Arma 3. Qui sait, peut-être un petit complexe au niveau de la ceinture. C'était pas ouf comme van. Et bien entendu un adversaire de taille, un adversaire de poids, j'ai nommé Vodka Prod. Vodka qui? Vous ne voyez pas qui c'est? Mais oui oui, c'est le mec que tient Amixem en laisse là. C'est Vodka Prod. Peut-être que plus tard ce sera plus drôle, pas sûr. À la Redbox, chacun a pris son petit animal de compagnie, sauf Amixem. C'est le patron, il a 4 millions d'abonnés, il faut bien qu'il se distingue des autres, donc lui, il en a deux. Bref, sur mon Instagram, je vous avais demandé de me citer un défaut et une qualité des deux concurrents, et vous avez été plutôt nombreux à me répondre. Mais je n'ai sélectionné que l'élite des réponses, les mieux orthographiées, les plus sincères. Enfin bref, les meilleurs quoi. Je vous ai également envoyé un sondage sur quel youtubeur préférez-vous, Amixem ou Vodka. Sondage dont vous verrez les résultats en fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel youtubeur vous voulez voir s'affronter sur le ring prochainement. Et si on commençait par une première réponse? T'es un enculé, je kiffais deux. Ok d'accord, je sais pas si vous l'aurez remarqué mais c'était un rire forcé. J'irai même plus loin en disant qu'il était encore plus fake que les vidéos de Michel-Ange. Ouais ouais, c'est possible ouais. Même si dans le petit Robert sa photo est imprimée en gros à côté de la définition du mot fake. Enfin bref. Amixem, drôle, mais très gaffeur. Vodka, très sympathique, mais pervers à mort, voilà. Bon, on voit clairement un uppercut du droit de la part d'Amixem dans la mâchoire de Vodka. Mais Vodka ne reste pas loin avec un défaut si présent chez tout le monde finalement, mais à différentes doses. Lui, il assume un public contrairement à 90% des gens sur Terre qui se pignolent sur des sites de cul en faisant croire que c'est des véritables saints et saintes. Après, pour ce qui est du fait qu'il soit sympathique, ouais ouais, on peut pas le nier. Les connards. Non mais y a pas d'autre mot pour les gens comme ça. Dans les ronds-points, ne mettent pas leur putain de clignotant. T'arrives dans ton putain de rond-point. Pour qu'il y ait Amixem, ouais c'est vrai, ouais ouais, c'est vrai qu'il est pas mal drôle, ouais. Une fois collé, maintenir la pression pendant une durée de 3h30. Ouais bon, on peut pas toujours être à son maximum aussi. On se dit à bientôt pour une prochaine, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Amixem. Mais moi j'essaye de t'aider Amixem, mais tu fais aucun effort de ton côté. Pourquoi comparer les deux quand t'es au-dessus? Ouais c'est vrai, ouais. Plutôt d'accord. Défaut, on prend la grosse tête, qualité, marrant. Ah bon? Personnellement, moi, je trouve pas qu'ils ont pris la grosse tête. Ah, attends. Eh, quoique, maintenant que tu me le dis. Non. Plus sérieusement, mon avis sur le sujet, c'est qu'ils n'ont pas changé. Bon, à part le fait qu'ils font beaucoup d'OP pour rembourser l'achat de la boîte rouge et que leur porte-monnaie pèse 3 fois mon poids. La boîte rouge, hein. Parlons-en de ce nom. Ouais, désolé d'y revenir dessus, mais je comprends maintenant pourquoi vous avez décidé de choisir le nom en anglais. En revanche, ils devaient pas amener une chèvre naine? On est en train de réfléchir à prendre 2 chèvres et une poule. Bon, je suis d'accord qu'ils ont ramené Neoxy, mais je m'attendais pas du tout à ça, moi, quand ils ont dit une chèvre. Aucun des deux, actuellement ils ne font presque que des vidéos pour rentabiliser la soirée cuir et moustache de l'autre sort. De quoi? C'est pas la fin de la phrase hein? T'en es sûr? Bon, ouais, c'est sûr ça peut déranger un placement de produit dans une vidéo. Enfin, si c'est mal intégré. Il faut que la vidéo guide le placement de produit et non pas que le placement de produit guide la vidéo. Donc à partir du moment où ils sont bien intégrés, que la vidéo reste bien, ça ne me pose aucun problème personnellement. Regardez Noxy, son placement de produit est bien intégré et en thème à la vidéo. Hey, salut mesdames et messieurs, comment ça va? Alors cette séquence est pas du tout raccord avec la vidéo mais c'est pas grave. Qualité Vodka, parle de n'importe quoi. Défaut Vodka, tout le temps les mêmes vidéos. Ouais, c'est vrai que Vodka parle vraiment de tout et de n'importe quoi. Avez-vous déjà pratiqué le sexe par le 3 à caca? C'est carrément une qualité, il est clairement ouvert et disposé à parler des sujets les plus sensibles. Le 3 à caca. Après, comment avec une qualité pareille on peut avoir ce défaut? Ah oui, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Vodka, je t'aime, t'es le best. Amixem, bouh. Waouh, mais c'est tellement vrai ce qu'il dit, lui, c'est si beau. Je ne sais pas d'où lui vient cette logique et cette intelligence, mais son commentaire m'a coupé le souffle. Bon, ok, ouais, ouais, étant donné que vous acharniez sur Vodka, ben, je me suis permis de répondre à mon propre sondage pour lui apporter un peu d'aide quand même. Que voulez-vous? Je m'en veux peut-être tout à l'heure de l'avoir comparé à Trevor, vous savez, ça peut blesser un homme d'être comparé toujours à plus beau que lui. Quel gentil homme je fais, moi. Bon, il est l'heure de vous annoncer le grand gagnant. Sans plus tarder, les réponses du sondage. Waouh, je m'attendais pas à ça, c'est une égalité parfaite, mais qui aurait cru ça? Ben non, c'est un putain de fucking montage, trop mort de rire, hein, on s'éclate trop ici, hein. Faut pas déconner non plus, bref, voilà les vrais résultats. Sans aucune surprise, Amixem, vainqueur, mais avec presque le double des abonnés de Vodka Prod, c'est un peu logique. Mais Vodka s'est bien défendu malgré la raclée qu'il a reçue. Dommage Vodka, mais l'élève n'a pas dépassé le maître. Eh mais attends, à l'époque Amixem il avait pas moins d'abonnés que toi? Ah ben en fin de compte si, tu vois, l'élève a bien dépassé le maître.
Cette vidéo n'est en aucun cas une insulte envers les youtubeurs cités, je regarde toute la Redbox et j'apprécie leur contenu. Les vannes sont empreintes au second degré, c'est juste dans le but de vous divertir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Suis-moi sur Instagram pour voter sur les prochains candidats à ton tour.